Odaletta. Un jour, ils ont condamné Socrate, ces pseudo-juges athéniens, parce qu'il les a surpris en train de faire semblant de savoir, mais ils savaient rien. Odaletta, Odo, plus grand voleur de tous les temps, de toute mémoire, auteur qui œuvre, plus grand mensonge de l'histoire, de nous faire croire qu'il représente le peuple, mais qui se taise, puisqu'il représente la tristesse, comme un bouquet sur un platane, et plus il gagne comme Zlatan, leur âme s'appauvrit de richesse. Je vous concède la vérité du procédé, plus on possède, plus on est possédé, et les politiques détruisent tout ce qui pourrait céder. L'État est utile, comme un trou dans la tête, il nous suicide depuis la tour de Babel, elle dit briller comme une émeraude, juste pour guider les âmes en haut. Elle essaie de faire oublier qu'elle n'est que le trône du roi Nemrod. On lance que des avions en papier contre leur tour de Babel. L'État s'appelle Cain, me dit que je suis son frère Abel. Cache un couteau dans son dos et me sourit d'un air cruel. Tant de scandales politico-financiers marquent mon siècle. Là où finit l'État, commence l'arc-en-ciel. C'est mon dégoût des demi-dieux qui fait que je les défie comme Ulysse. Car les égouts de la politique évitent les filtres de la justice. Et nique sa mère, le maire, le sénateur, vos cours magistraux de langage qui n'ont jamais ému de cœur, même en tripotant des filles cupides que le pouvoir en délirique, ventripotant moche et stupide. Bref, des politiciens classiques. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. Tu trouves que c'est un cartoon, que mes critiques sont des rancœurs? Peut-être bien car c'est un clown qui a dû créer les restos du cœur. Dis-moi quelle chaleur d'âme t'espère de son manteau de glace. Alors écrasons l'infâme, c'est la tirade de Ruy Blas. Si t'es honnête, t'es une marionnette au bout de leur ficelle. Alors coupons les tentacules de cette putain de mafia officielle. Et ensuite les testicules des dynasties politiciennes. T'rappelles comment tu me parlais mal, Paris brûle-t-il bientôt? Et on commencera par l'ENA, je suis là pour dégrader l'État. Qu'on voit sa garde prétorienne, ils présentent leur première dame avec la grâce qu'on prête torrent. Si on est masqué dans les manifs, c'est à cause des gaz lacrymogènes. Un mythe gros, les politicos sont des mythes. Au guillotine et les tous, place publique. Là où même Danny le Rouge est devenu Cohn Bendit. Il est plus dangereux d'être lanceur d'alerte anticapitaliste qu'un prêtre pédophile, terroriste islamiste ou qu'un fraudeur ministre. Les injustices d'aujourd'hui feront les Mandela de demain, les Martin Luther King pour faire la violence en paix. Demandez-moi le chemin. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle.